Et on m'annonce l'arrivée dans ce studio d'Elisabeth Lévy. Ouais, j'ai failli jamais arriver. Hein ? Ouais, je viens de croiser Sophie Aram dans le couloir, là. Elle a tenté de me plaquer au sol avec une clé de bras, mais vous êtes tarés les bolcheviks, sérieux, merde. Salut les gauchesses. Alors, on invite mes copines maintenant, hein? Ça va ma poulette? Salut Violette. J'espère que t'as pas trop ébranlé la pensée dominante. Hein, c'est qu'il est fragile le bobo d'inter, regarde-les, les mâles alpha de la matinale, là, ils sont tout penauds. Eh, ça vous change du ronron victimaire habituel, hein? Voilà, excusez-nous si on n'a pas envie d'être assimilés au troupeau des chouineuses frigides qui hurlent pour une malheureuse main au cul. Me too, me too. Les stalino-féministes sont hystériques. Hystériques. Tiens, moi, la semaine dernière, je rentrais en métro, il était 23h. Personne sur le quai. Bon, d'un coup, derrière moi, j'entends trois hommes qui me sifflent. C'est plutôt flatteur. Alors, bien entendu, je me retourne pour engager le jeu de la séduction. Bah, croyez-moi ou pas, mais les mecs sont partis en courant. On en est là, on a fini par faire peur aux hommes. Vous voulez vraiment vivre dans un monde où ce pauvre Richard Ferrand est obligé de s'excuser de ne pas être une dame? Oui, je secoue vos certitudes, je suis désolée. Si on commence à s'offusquer à chaque fois qu'un de vos collègues vous envoie par mail une photo de son pénis, on n'en a pas fini. Non, je parle pas de Finky, non. Oui, alors, vous invitez une jeune femme pour parler féminine, patati, patata, ok, très bien, parfait, c'est votre droit. Hein, mais à ce moment-là, je pose la question, pourquoi ne pas m'inviter moi? Il y a une date de péremption quand on est une femme, c'est ça? Je veux dire, moi, ça fait 10 ans que je suis une réac intellectuelle, alors pardon. Je dirais, faites-vous la main sur des invités comme Eugénie Bastier, puis quand vous serez prêt, vous m'inviterez. Hein, mais entraînez-vous encore un peu, alors moi, je vous le dis, hein, moi, le jour où je suis invitée, je vous le saccage, votre sanctuaire de la bien-pensance, là. Ça va être une boucherie, hein, j'arrache le papier peint avec les dents, je fais un carnage. N'est-ce pas, Corinne? Et oh, je te cause, Léa Salamé, mais ça percute pas ce matin, c'est mou, mais qu'est-ce qui se passe? Les Anglais ont débarqué ou quoi? Vous voyez que l'écart de salaire, c'est normal, une semaine sur quatre. On peut pas être rentable, mon Anora Newt. C'est pour ça qu'elle va pas assez loin, la petite Eugénie, et c'est normal, vous n'imaginez pas le temps que ça prend quand on est une femme d'équiper les plateaux télé pour expliquer que la place des femmes, c'est à la maison. Mais laissez-moi finir mes phrases! Stop. Comment ça, c'est l'heure du journal? Ah, c'est l'heure de la propagande islamo-gauchiste? Oui, allez, salut les tocards! Salut Charline! Et rendez-vous à 17h avec l'actrice Yolande Moreau, l'invitée de Par Jupiter.